Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une petite vidéo où je vais vous présenter ma petite collection de voitures miniatures, donc de toutes les tailles. Donc c'est parti. Donc là, c'est ma collection de voitures rares, on va dire un peu comme ça, de grosses voitures quand même. Voilà. Donc on commence directement ici par l'une de mes voitures favorites, la Peugeot 905. Voilà. Donc voilà, s'il y a un peu de poussière, c'est normal, j'ai oublié de la dépoussiérer. Acheter neuve, voilà. En haut, on a la Porsche 911 Monte Carlo de 1980, je sais plus combien, voilà, magnifique. Ensuite, là, on a l'Audi Quattro de ma préférée, ma voiture préférée aussi. Donc Audi Quattro bah, de Walter Ward. Là on a le Volkswagen Itlys du Dakar. Peugeot 205 T16 du Dakar de Vatanen. Voilà. Oh, on a la Ford GT40 des 24 heures du Mans. Ici on a la Ford Rally. Je me rappelle plus c'est à qui celle-là. Là, on a une Porsche normale, basique, 911. Une Ferrari, je sais plus combien. Une Mercedes. Une Pontiac. Et encore une Ferrari. On descend, là, on passe à ma petite collection qui est en cours d'acquisition. Donc, voilà, les petites, hein, comparé à d'autres collections. Donc là, on a un petit Mercedes. Voilà. Un Matchbox. C'est un. Je sais plus c'est quoi comme marque. Une bétaillère. Un camion bétaillère. Là, il a pas de marque. Celui-là, c'est un Majorette, mais il a pas de marque. C'est un camion du Dakar. Là aussi, c'est la même marque que celui du deuxième, mais je sais plus c'est quoi. C'est un Matchbox. Voilà. Là, on a une petite restauration que j'ai faite d'un Ford Shell. Voilà. C'est moi qui l'ai peint. Voilà. Là, on a deux Saviem. Donc, un Saviem Ben avec une petite benne. Et un Saviem Shell. Voilà. Un petit Mercedes avec une remorque pour transporter des voitures et des camions. Un camion Mack Matchbox pour faire des roues. Voilà. Voilà, il est bizarre, mais voilà quoi. Une Jeep Matchbox. Une Renault 5 Majorette. Un BM X5, je crois. Attendez. Oui, X5, voilà. BMW 4x4, très beau 4x4. Une Ford Fiesta No Rev WRC. Un Dodge, je sais plus quoi, Matchbox. Un Matchbox Mercedes, un très vieux Matchbox d'ailleurs. Il a bien souffert lui. Un hélicoptère de la gendarmerie, basique. Une Renault Mégane de sport. Une Citroën Shell. Un rouleau qui n'a pas de nom, on va dire que c'est un Volvo. Ça, c'est une, je me rappelle jamais du nom. Il n'y a pas marqué, c'est un 280 ZX. Je m'en rappelle plus. C'est Nissan, je crois. Je crois que c'est Nissan. Pour les connaisseurs, dites-moi le commentaire si vous en rappelez, vous. Une grande caravane Majorette qui me sert pas. Une Citroën Diane, donc voilà. Citroën Diane magnifique de chez Majorette. Voilà. Hop. De Safari, course, rallye. Là, on a une remorque qui ne me sert pas. C'est une remorque pour mettre des bateaux. Matchbox. Vous allez me dire, ça va avec la Jeep. Ben non, ça va pas avec la Jeep. Voilà. Un bus deux étages Matchbox basique. Voilà.
Une Renault 30. Je sais pas c'est quoi la marque, il n'y a pas de marque. Guillaudi, je connais pas. Bon, Renault 30 fait à la va-vite, hein. Pas très bien faite. Voilà. Une Citroën C4 de WRC. Alors là, on a ma petite Merco. Voilà. Petite Mercedes 350 SL, je crois, oui. 350 SL. Un Ford, je sais plus c'est quoi. Ford Rangers. Donc j'ai changé les roues avant. Je vous montrerai si vous voulez comment enlever les rivets des voitures et les remettre. J'ai changé les roues avant parce qu'elles étaient explosées les autres. Un camion Ford pour le transport. Voilà. Et j'ai perdu sa remorque. Une Maserati. Non, Aston Martin, pardon, j'ai dit Maserati, mais j'avais un petit doute. Oui, une Aston Martin LMP1. Voilà, elle est un peu abîmée. Une Peugeot, je sais même pas c'est quoi comme type de Peugeot ça. Je connais les anciennes mais pas les nouvelles. Peugeot RC. Voilà. Donc j'en avais deux. Mais il y en a une que j'ai donnée à un pote. Voilà, donc j'en ai plus qu'une. Hop. Là, on finit par une voiture que j'adore. C'est une Porsche Carrera S. Donc voilà pourquoi je l'adore, c'est parce qu'elle a des super bonnes suspensions. Elle est très agréable à rouler. Hop. Contrairement à par exemple ce Savième. Voyez. Il rebondit assez bizarrement. Donc voilà les amis, donc c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Voilà, donc ma collection ne cesse d'augmenter de jour en jour. Voilà, donc j'espère arriver à une grosse collection quand même. Voilà. Aussi, si vous voulez, je pourrais vous présenter ma collection de Twills. C'est pas une grosse collection, hein, c'est une toute petite collection. Je dois avoir une quinzaine de voitures. Mais voilà, quoi. Donc voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss!